Bonjour les amis. Cette fois-ci, présentation d'une tenue très très cool et fluide et puis très sympa, mais qui permet aussi d'aller en ville, bosser. Enfin voilà, en tout cas à mon avis, parce que moi je trouve ça sympa. Alors, petit ensemble en fait, c'est chemise longue, fluide avec pantalon large que j'ai trouvé chez Shein. Donc vous voyez. Motif fond blanc avec des motifs géométriques noirs et verts. Donc la chemise et le pantalon qui est élastiqué à la taille, exactement pareil. Et des baskets blanches compensées que j'ai juste achetées là sur Shein, qui donnent de la hauteur ne serait-ce que par cette semelle extérieure et qui sont également compensées à l'arrière dans la semelle intérieure. Très sympa et bah, je vous montrerai l'ensemble. Je ne sais pas encore comment je vais accessoiriser la tenue. Mais donc là, ce n'est pas une tenue d'hiver. Hein, après, on peut mettre une maille par-dessus quand même. Hein, mais au niveau pantalon, c'est léger. Mais là, la météo d'aujourd'hui le permet. À tout de suite. Alors, nous revoilà avec la tenue portée, un petit peu accessoirisée. Donc avant de vous la montrer dans son intégralité, voilà, juste le teint, un petit peu de rouge à lèvres, voilà, nude, parce que la tenue quand même en elle-même est déjà assez chamarrée, hein, donc boucle d'oreille, enfin bijoux, voilà, très bijoux quand même, qui se voit, mais voilà, en noir ou en argenté, pour que ça reste quand même une touche simple. Donc, hop, je recule. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc là, vous n'allez pas me voir en entier. Alors ça, c'est une tenue. L'entre-saison, vous êtes super bien dedans. Vous voyez, tout est fluide. Avec des baskets, ça finit, ça complète. Alors là, moi, j'ai tenu à la porter comme ça parce que c'est celle que j'aime le mieux. Qui flatte le plus la tenue. On peut mettre une ceinture à la taille, on peut déferla et nouer comme ça pour remonter. Mais là, je voulais vous la montrer vraiment comme je la porte. Voilà, super sympa les baskets. Alors celle-ci, franchement, sur Shein. Alors j'avais peur parce qu'elles font un peu de poids, mais ça va. Donc compensée, semelle très compensée à l'extérieur, mais un peu compensée au niveau du talon. Donc ça vous donne vraiment une belle hauteur, excusez-moi, sans vous fatiguer les jambes. Enfin, pour l'instant, ça fait 20 minutes que je les porte, donc je verrai à la fin de la journée. Bon, quand on marche, du fait qu'elles soient compensées au talon, je pense qu'ils auraient dû remonter encore un peu la tige, qui finalement, ou alors c'est moi où j'ai des chaussettes qui glissent. Quand on marche, on sent que des fois on a le talon qui monte un peu, mais comme j'ai pris ma taille et que je suis serrée, enfin serrée, bien ajustée ailleurs, je ne les perdrai pas. Si quelqu'un vient me marcher sur le talon, peut-être que ça sortira. Je vais finir la vidéo sans voix. Et alors, ce que je trouvais sympa, parce que là je vais sortir, j'ai un rendez-vous, c'est de mettre mon Perfecto par-dessus. Voilà, ça casse vraiment. C'est peut-être pas ce qui va le mieux non plus, mais du coup j'aime bien cette superposition aussi. Voilà. Et puis bah, ça permet de sortir un peu le Perfecto. Et je vous dis là, le temps aujourd'hui permet de sortir. Donc si je mettrais quand même une petite écharpe noire, je pense qu'en plus, vu le chat qui s'est logé dans ma gorge et qui ne veut pas en sortir, il va falloir lui donner bien chaud pour qu'il veuille s'en aller et aller prendre l'air. Trêve de plaisanterie. Voilà, donc dites-moi, là c'est. Je vous dévoile de plus en plus ce que j'aime porter et du coup qui sort, enfin, qui sort de l'ordinaire peut-être pour certaines personnes, mais qui moi font. Moi cette tenue fait partie intégrante de mon dressing hein, et j'adore ça. Alors en plus, quand on est un petit peu en surpoids, ce qui est mon cas actuellement, ben ça permet de se sentir à l'aise. Voilà, c'est élastiqué, ça remonte haut. Là, j'ai mis un petit débardeur noir et on est super à l'aise. Voyez, au niveau des manches, c'est des manches qui ne se resserrent pas, mais au niveau.
Alors, si quelqu'un a des plus grands bras que moi, enfin qui est plus grand que moi, ça doit être court parce que c'est quand même pas une petite taille que j'ai prise. C'est peut-être aussi pour ça que par rapport à mon gabarit, c'est très long. Et encore que, vous voyez, le pantalon, je ne sais pas. Des fois, je ne sais pas. Moi, ça tombe impeccablement. Alors, sur chaussures compensées, hein, si je mettais des sandales, je pense qu'il faudrait que je fasse un tour à la ceinture. Mais sinon, c'est une matière. Alors, en plus, elle n'est pas extensible, mais on n'est pas, voilà, ici, là, quand je fais ça, même si ça tire un peu, il y a un léger, léger extension. Une légère, pardon, extension. Est-ce que mon téléphone va tenir debout cette fois? Parce que c'est vrai que j'ai des petits soucis avec ce support. Donc, voilà. Petite tenue pour moi, très cosy, très cool, mais qui permet aussi de se, bah voilà, de sortir un petit peu de l'ordinaire, chose que j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien un petit peu, pas complètement extravagante, mais j'aime bien les choses qui, de temps en temps, qui sortent de l'ordinaire et qui ne fait pas être comme tout le monde dans la foule. Voilà, bon, bah c'est un trait de caractère que j'ai. Et puis, peut-être qu'il y a une période où j'aurais, parce que je pense que j'ai toujours été comme ça, mais où je n'aurais jamais osé sortir du rang. Et maintenant, je m'en fiche complètement. Je mets ce que j'aime, ce que je veux. Par contre, dans la décence, parce que j'aime pas par contre être indécente, mais voilà, je veux dire, si on me regarde dans la rue parce que c'est particulier, surtout que j'habite pas non plus dans une grande ville, donc forcément, mais je m'en fiche. Voilà, moi je suis bien. J'attends là vos commentaires avec impatience parce que je pense que cette tenue va vous faire réagir dans le bon sens, comme dans, pas le mauvais je dirais, mais je sais que là ça va être tout ou rien, hein. Soit on aime pas, hein, parce que c'est quand même très particulier, mais on reste quand même, ce qui calme un peu les choses, c'est que ce sont des coloris, le motif est très particulier, très original, mais le coloris reste quand même très passe-partout, le coloris je dis bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. J'attends toujours des propositions. Je note. Vous en aurez une donc cette fin de mois. Je peaufine tout ce que vous me proposez et ça va être sympa. J'aime bien vos idées. C'est des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Mais c'est sympa que nous puissions travailler comme ça ensemble. Donc bien évidemment, je vous laisse à votre soirée. Je vous embrasse. Priez pour que je puisse enlever ce chat de ma gorge. Je vous dis à bientôt les amis.